Et nous avons mis en place cette semaine de sensibilisation au handicap à la faculté de médecine de Rennes pour tenter d'apporter une réponse à une inégalité flagrante dans notre pays qui concerne l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Alors, outre le fait que ces personnes bénéficient moins que d'autres d'actions de prévention, cette inégalité se traduit par des retards de prise en charge médicale, avec un impact négatif sur le pronostic des patients et une qualité des soins qui est souvent moins bonne que pour les autres patients. L'une des raisons de ce triste constat tient à la méconnaissance de beaucoup de professionnels de santé du monde du handicap et de la manière de l'aborder. Et l'un des leviers pour le corriger réside dans une formation spécifique des professionnels de santé. Nous avons trois enjeux. Le premier, c'est d'améliorer l'accueil et l'accès aux soins. Le deuxième, c'est de contribuer à faire évoluer les représentations sociales. Et le troisième, c'est de soutenir des postures professionnelles adaptées aux différentes situations de handicap. Alors pour y répondre, nous organisons depuis l'année dernière une semaine de sensibilisation au handicap. Cette semaine, elle a pour objectif de sensibiliser les étudiants à la diversité des situations de handicap et de leur apprendre à communiquer de façon appropriée avec les personnes porteuses d'un handicap. Alors, les situations sont très diverses. Elles touchent aussi bien des enfants à travers l'infirmité motrice cérébrale ou les maladies génétiques comme les trisomies ou les myopathies, les adultes à travers les accidents de la vie comme les accidents du travail ou les accidents de la circulation. La grande obésité fait partie aussi des situations de handicap très très marquées. Et puis, les sujets âgés, à travers notamment des handicaps sensoriels, comme la baisse de l'acuité visuelle, ou la baisse de l'acuité auditive, ou des déficits moteurs, par exemple, après un accident vasculaire cérébral. Alors, derrière toutes ces situations se cache une histoire singulière, un être humain, une famille, des accompagnants, qu'il faut apprendre à connaître, et avec lesquels il faut apprendre à communiquer, si l'on veut délivrer des soins adaptés et de qualité. Donc, trois phases. Une phase introductive avec aussi une première rencontre avec des personnes en situation de handicap. Les étudiants vont faire des ateliers où ils vont rencontrer des personnes en situation de handicap. Et on va aussi les faire simuler le handicap. Par exemple, ils vont aller dans des fauteuils roulants ou des cannes blanches, se déplacer ou avoir des difficultés à lire, etc. Donc on a plusieurs ateliers de simulation qu'ils vont pouvoir faire dans une ambiance très très conviviale. Après, il y a une deuxième phase qui est une phase où ils vont être en stage de 3 jours dans des établissements médico-sociaux partout dans toute la région. Et puis la dernière phase, c'est une phase de restitution où ils vont être par groupe de 15 et on va chercher à aller à ce qu'ils nous restituent et à ce qui s'est passé pendant leur stage et à ce qu'ils se mettent dans une position réflexive pour que chaque étudiant acquiert un maximum de connaissances comme futur praticien. Bah, du coup, moi, j'ai trouvé cette semaine super intéressante d'un point de vue humain. Enfin, ça m'a permis de découvrir vraiment la sensibilisation au handicap et comment mieux interagir avec les personnes porteurs d'un handicap. Moi j'ai trouvé ça super enrichissant parce que en fait on n'a pas souvent l'occasion d'interagir avec ce type de personnes
et jamais déjà dans notre cursus avant et je pense rarement après, mais que ce sera des personnes qu'on aura à prendre en charge plus tard. Donc voilà, savoir comment s'adapter, ce qu'elles peuvent penser et voilà. Ouais. Ça peut nous permettre de mieux appréhender une consultation médicale avec par exemple des meilleurs moyens de communication comme les pictogrammes ou alors essayer de faire un peu la langue des signes ou des choses comme ça pour faciliter la compréhension de tout le monde. Et ça nous a permis aussi de voir toutes les structures qui existent autour. Là, nous, on était dans un ESAT, donc il y a un endroit où les personnes travaillent, mais qu'avant, ils sont dans un IME où c'est des classes en fait adaptées, qu'à côté, il y a des foyers de vie, qu'ils ont des... Ouais, tout le monde les aide au quotidien et que peut-être qu'on aura à faire appel à ces structures-là plus tard. Donc savoir qu'elles existent, c'est bien. Puis, Voilà.